très bon pour le maintien des choses. Quand on veut aller dans quelque chose de nouveau, de frais, il faut inviter du chaos dans cet ordre pour pouvoir être créatif, innovateur. Qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? C'est s'occuper de soi, faire en sorte que tu peux être présent pour l'autre. Comment est-ce qu'on peut servir les autres si on n'incarne pas soi-même ce tout premier volet ? J'aime beaucoup quand on dit parler avec intention et écouter avec attention. Qu'est-ce que tu attends ? De définir l'architecture de la journée, de l'événement, et être clair sur l'architecture dont on est gardien. Surtout ne pas toucher, ne pas influencer le contenu. Pour moi, la co-création, c'est quand je discute avec toi, je me trouve beaucoup plus intelligente que quand je suis toute seule à réfléchir. Quand on dit « seule, je vais plus vite, mais ensemble, on va plus loin », nos pratiques Art of Hosting remet la conversation au centre de l'organisation. Et c'est ça qu'on perd. On le perd à l'école, les enfants ne discutent plus, ils s'envoient des textes. Ramener la conversation pour pouvoir concerter, consulter, échanger, co-créer. Tous les angles disaient 5 heures, attendre toujours. On attend, qu'est-ce que tu attends, qu'est-ce que tu attends.